Salut, eh oui, 2024, bonne et heureuse année à toi. Alors, aujourd'hui, je te parle de six choses dans mon dernier court-métrage solo qui est disponible sur ma page que je sais que tu n'as pas remarqué. On parie? Première chose, l'ouverture de la vidéo. Il se trouve que tout le côté droit de la vidéo était en effet visuel. J'ai simplement nettoyé le côté gauche de la vidéo, c'est-à-dire là où il y avait le garage, la poubelle. J'ai juste rajouté une autre poubelle, un autre garage et des grass. Et des gazons pour faire plus joli, pour rendre ça plus intéressant, sans oublier le portail qui se trouvait au fond, que je trouvais distrayant pour moi, donc du coup j'ai préféré l'effacer. Deuxième chose dans cette vidéo, c'est ce plan large, très très large, où j'étais seul et je me suis dit c'est plutôt vide, donc il fallait plutôt rajouter quelques éléments. Donc j'ai pensé à plutôt rajouter deux loups comme une rivière qui coule, ou un lac, peu importe. J'avoue que j'aurais pu faire mieux en rendant ça plus vivant, en ajoutant peut-être des êtres vivants, des papillons, ce genre de choses, et même faire bouger l'eau, chose que je n'ai pas fait parce que j'étais sûr que tu le remarquerais. La troisième chose, c'est surtout quand j'étais assis tout seul au centre. Tu remarqueras que, voilà, il y a cette chaise qui était dans le champ, ce serait plus intéressant de l'enlever, qu'on puisse mieux voir l'ordinateur, le logo même que j'ai dû changer, et puis j'ai dû rajouter une encre au montage. La quatrième chose, c'est le plan encore en extérieur où j'étais encore dans la verdure. Mais cette fois-ci, pourquoi ce ne serait pas intéressant de rajouter ces rochers, ces petits rochers qui comptent souvent quand tu montes en montagne et tout ça. En plus de ça, il y avait ces toitures qui se trouvaient un peu sur la droite qui dérangeaient beaucoup. Je me suis dit qu'il fallait nettoyer ça, plutôt remplacer par un paysage plus intéressant. La cinquième chose, c'est ce plan où j'étais assis tout seul sur le banc de pierre. Je me disais que c'était un plan plutôt particulier. Sauf que dans le décor, je voulais changer pas mal de choses, mais après 1000 réflexions, je me suis dit, faisons scène, rajoutons juste des graffitis pour faire un peu le côté street art, un peu dans la... Voilà quoi, ça fait une petite contraction un peu de la nature du graffiti pour donner l'impression que voilà, je raconte tout et n'importe quoi, mais je me suis dit, ce serait intéressant de mettre ça, chose que j'ai fait. Et enfin, la sixième chose, c'était le plan le plus compliqué à réaliser pour dire vrai. Parce qu'il y avait du monde sur le terrain, il y avait une fête pour les enfants qui se passait sur le terrain au même moment où j'étais venu shooter. Donc, il fallait trouver l'angle propice pour pouvoir le faire sans pouvoir les déranger, sans qu'ils puissent me déranger. L'angle, une fois trouvé, surtout qu'ils étaient toujours dans le champ, partiellement, je me suis dit, ok. Il fallait faire de sorte qu'ils ne puissent pas trop interférer dans ma vidéo pour pouvoir les enlever plus facilement. Ce qui a donné ça. En résumé, c'est les six choses de mon dernier court-métrage dont tu n'as pas prêté attention et dont je te parle maintenant. J'ai menti. Si tu as aimé, laisse un commentaire, partage autour de toi. On est ensemble.